Bonjour, non, présentement en face de moi, j'ai Brigitte Leblanc. Bonjour Brigitte. Bonjour Jacques. Et comment qu'on va ce soir? Très bien, c'est une première ce soir ici, on est bien contents. On est une première où? À quel endroit? Au Brésil, au Floride, Brésil, avec Daniel Picarine, le duo parallèle. Oh, c'est bien. Fait combien de temps que tu es dans la chanson, Brigitte? Ça fait exactement... Ben là, je te dirais, on a fêté mon 30 ans de carrière, là, 2 ans. Fait que ça fait 32 ans. 32 ans. Professionnellement, oui. Oh, c'est bien. Tu es originaire de où, Brigitte? Des îles de la Madeleine. Oh, une vraie Madelino. Une Madelinienne. Madelinienne. Et non, une Madelinotte. Et surtout pas une Madelinotte. Est-ce que tu viens souvent en Floride l'hiver? Ça fait depuis 89 que je suis en Floride l'hiver, puis j'avais commencé pour Johnny Farago. Après ça, j'étais au Frenchella Beach, après ça, où j'ai fait comme tout le tour, Tenderbird, j'ai fait comme tous les endroits québécoises, jusqu'à temps de me produire avec moi et Daniel et Karine, produire mon propre spectacle il y a 2 ans, déjà que je fais comme mes chansons et quelques covers. Je pense que tu as déjà une couple de CD d'enregistrer. Avec mon CD de Noël, je suis rendu à 7. 7. Et quand est-ce que c'était le premier? Le premier était en 88. Au Frenchie? Non. Ben, tu n'avais pas fait ton lancement là? J'avais fait une présentation en 90 au Frenchie. C'était le Frenchie sur la beach, ça là. Ça, c'était comme tout ouvert. Ça, c'est au coin de la rue de la Johnson. Au coin de la rue, là, c'était Yves Marino qui avait ça. Je me promenais... Je suis en plage, puis à 3h à 9h, de 3h l'après-midi à 9h, c'était le rendez-vous. Tout le monde en allait là. Moi, j'embarquais, puis je ne savais pas quand je débarquais. T'sais. C'est vrai, c'est des bons souvenirs, la Johnson. C'est du coup, ça me manque. C'est ça. On va chez la plage, c'est plus le même. Chantier, c'est un voyage. On dit-tu l'année ou l'année? L'aîné. L'aîné, encore mieux. Ben, l'aîné. Ben, moi, je suis l'aîné, inquiète pas. Fait que c'est une chanson que j'ai choisie pour toi. Parce que je trouve que t'es un vrai petit cadeau de la vie. Oui, l'important, c'est d'y croire. C'est le mélange du français, de l'anglais et du créole. Vous connaissez vraiment sa belle chanson Casino, la qu'il a composée. On lui donne une bonne main d'applaudissement, puis on nous fait ça.
Bonjour, Denise. Comment qu'on aime le spectacle ce soir? J'adore le spectacle. Le monde. Est-ce que Brigitte est à la hauteur que vous attendiez? Brigitte Blanc, oui. La première fois que vous l'écoutez? C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Ah, je ne suis pas encore fatiguée d'entendre. Et à côté, est-ce qu'on aime ça, le spectacle de Brigitte? Vous, votre mari est déjà musicien, alors vous connaissez la musique, c'est bien. Oui, mais très bonne. Beaucoup ça. Est-ce que vous, qui êtes déjà une musicienne, est-ce que c'est au-delà de vos attentes? C'est au-delà de mes attentes, oui, parce que j'aimerais ça en savoir autant qu'elle. Bonjour, est-ce que vous aimez le spectacle ce soir? J'adore. Oui. Mireille. Oui. Comment vous aimez le spectacle ce soir? Moi, j'adore le spectacle. Brigitte, êtes-vous à votre hauteur, vous l'appréciez? Oui, je l'apprécie. Comment t'as aimé le spectacle, la première partie? Oui, elle est très dynamique, elle sait chanter. Elle chante très bien, très juste. C'est apprécié. Et le guitariste, ben, on en entend beaucoup, puis il y a beaucoup de talent. Une formation classique, mais qui va très bien avec l'ensemble du spectacle. Et puis le spectacle, est-ce que vous êtes satisfait à date du spectacle de Brigitte? Oui, c'était très beau, très joli. Très joli d'ailleurs, elle est très talentueuse. Elle aime à faire des jokes et tout ça. Son état chanté. Merci. Est-ce que vous aimez le spectacle de Brigitte Leblanc? Oui, j'aime bien ça. Vos impressions? C'est plaisant, puis ça bouge. Comment vous avez aimé le spectacle de Brigitte? J'adore. Oui. Est-ce que c'est après première fois? Comment tu aimes le spectacle ce soir? C'est formidable. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez Brigitte en spectacle? Oui. Vous ne le regrettez pas? C'est pour la dernière. Oui, c'est pour la dernière. Elle est très. Comment vous aimez le spectacle? Très bien. C'est formidable. Bonjour. Comment tu as aimé le spectacle de Brigitte Leblanc? J'ai adoré. Moi, j'aime sa joie de vivre. J'adore quand elle joue de l'accordéon. Puis la chanson des îles, là, formidable. Et ton amie, qu'est-ce qu'elle a trouvé aussi? Qu'est-ce qui t'a incité? J'ai beaucoup aimé ça de la soirée, l'accordéon. Surtout son parler. J'aime beaucoup, beaucoup son parler. Puis elle est bien fun. C'est vraiment... c'était une très belle soirée. Merci. Oh, ça, c'était Ginette qui avait commencé. Traversons le temps et les océans à contre-courant et même souvent. Es-tu plus beau que tantôt? Oui! On est plus sec un peu aussi. Ah ouais, on était sec tantôt, on était comme dirait par chez nous, emborvé, tête, massif. Ça veut dire que t'es mouillé pour à peu près, hein? À la rentrée en arrière, elle a dit, qu'est-ce que tu fais avec ton séchoir? Eh mon Dieu, j'étais vraiment, ça coulait partout. Mais là, ça va bien. Petit jardin semé après avoir labouré pendant trois années pour pouvoir récolter. Semer tant de fleurs, même sans avoir peur avec tout son cœur, et semer son bonheur. Mon père était pêcheur au moment.
toute sa vie. Valait la vie dure pour faire vivre sa grande famille. Il se levait chaque matin avant le soleil, descendre le bateau du slip pour s'en aller. Moi, je me suis rendue à son chevet quand elle m'a appelé le 28 mars pour m'annoncer ça. Elle était rendue à Montréal. J'ai pris le lendemain mon bagage, mon auto, puis j'ai monté 3 jours sans me coucher pour aller directement à son chevet. Et j'ai reçu une chanson en héritage qui a été aussi travaillée avec la musique de ses meilleurs amis, Daniel et Karine. Et cette chanson, je l'ai mise sur mon album, ma dernière album que j'ai fait. Puis quand j'ai laissé Pierre à l'hôpital, j'ai un plus beau héritage que cette belle chanson qu'elle veut que je vous chante, qui soit éternelle. Je veux juste l'amour dans mon univers, de la part de Pierre Bellan. Je vois qu'on me dise que demain sera un jour nouveau, mais je confesse, je